Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce 42e épisode sur XCOM, bien sûr. Allez, c'est parti. On a toujours notre salle Golob, mais personne ne peut l'utiliser. On a la salle de contrôle, bien sûr. Ça, rien n'a changé là-dessus. On va aller voir la caserne et la liste des soldats. Ah oui, il est toujours en génétique. Et Sniper ici, je crois que je devrais peut-être le former aussi. Ouais, pas mal. Un major déjà, je pense que ça se prend. Neutralisant pour changer. Et alors, à la limite, lui on pourra l'envoyer aussi à la place de Chong. Non, j'aime pas en fait. Pourquoi Chong est pas psychique? Ça aurait été bien, non? Imaginez. Il y aurait été psy, ça aurait été impeccable. Mais bon, c'est trop demandé a priori. Commencer un nouveau projet de recherche. Ah, d'accord, j'avais pas. Heureusement que je le vois. On va faire le sectopode. Allez, c'est parti. Cette unité blindée est entièrement mécanisée, mais il n'est pas impossible qu'elle comporte des éléments organiques. Voilà. Bon, bah, un jour. On verra, on va faire tourner le temps. Et. Ah, il se passe quelque Cette chose. modification du lobe temporal provoquera des pics d'ondes cérébrales qui nuiront aux attaquants psioniques. Voilà, nouvelle recherche. Projet disponible, construction express. Ah, maintenant que nous comprenons comment les extraterrestres fabriquent leurs sectopodes, nous devrions pouvoir adapter ces méthodes pour accélérer la construction des véhicules et des installations. Ah, merci. Bien sûr, ce sera pas donné. Ouais, mais c'est un peu tard là, Coco. Bon, c'est pas grave. On va faire le canon alliage. Alors, c'est bizarre ça. Alors, réparation express, on a pas mal de choses. Réparation express, 4 drones, 370, tout bien. Oui. Regardez ça, commandant. On vient de repérer un nouveau contact. Il est énorme et on détecte une puissance incroyable. Il doit être armé jusqu'aux dents. On peut s'attendre à une résistance farouche. On le prend en chasse. En fond, derrière, c'est voilà. J'ai été occupé de télécharger le multijoueur de Call of Duty, le dernier là, World War 2. Et et donc, bah, je pense que ça faisait laguer un peu mon PC. Pourquoi? Qui sait? Alors, envoyer le Mercure. Alors, le sectoïde Alpha, Cyberdisc, Drone Berserk, Goliath éthéré, planeur lourd. Ah oh ouais. Tout ça, c'est la guerre. Alors, Tariq, je crois qu'elle est. Elle est psy. Ok. Sapeur, sapeur. Sapeur comme jamais, hein? Ah, j'ai oublié de l'envoyer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai pas les crédits pour former cette unité, mais c'est pas grave, tant pis. Alors, commando. Pour bien faire, il faudrait que je puisse enlever une deuxième unité.
Colonel. Colonel. Pas de bêtises, hein, attention. Ouais, c'est bien ça. J'ai tiré un colonel, c'est une bonne chose. Oh. Annette Durand. Elle, comme ça. Non. Si je mets pas quelque chose, ça va être un carnage. Je vais libérer. Alors, modifier. Perdu avec couleur. Boum. Allez, on va te mettre un laser, c'est déjà... Tu seras déjà content avec ça, je crois. Contente, désolé. Annette. Moi, c'était juste... J'ai pas choisi. Voilà. Bon, on va déjà te mettre ça, ce sera bien pour commencer. Pour ta toute première mission, tu seras toute belle. Chong est là. On a un sapeur, un grenadier, un commando. Ça devrait... potentiellement bien se passer. Et comme ça, au moins, on a deux... psioniques dans le temps. C'est ça le plus important pour les formes. Parce qu'après, perso, que ce soit l'un ou l'autre, maintenant, moi je m'en fous. Direction l'Argentine. Du moment que j'ai un... La situation semble être la plus urgente là-bas. Un psy la pour y aller. La cible est dans une zone isolée, mais il faut qu'on sécurise. Ce vaisseau est énorme. Voilà, un vaisseau. On n'avait encore jamais rien vu d'aussi gros. Et il est plutôt en bon état après un choc pareil. Essayez d'atteindre le pont le plus vite possible, mais attention, on ne sait pas ce qui vous attend à l'intérieur. Alors qui c'est qu'on a qui pourrait avancer là, voilà. Dexter, pour ouvrir la porte. Hop, on va avoir du contact. Bingo. Oh, c'est beau la vie. Je le savais, hein. Ah, et ça bouge même pas, d'accord. Aucun respect. Chong. En plus, ce Chong, il a pas bougé, lui. Or. Je vais profiter peut-être de l'occasion pour, voilà, utiliser les pouvoirs psychiques de Tariq. Non, c'est une blague. Non. J'en ai deux, normalement. Oh, elle voit personne. Ok, je ne vois personne en combat. Bon, et alors on va aller nettoyer parce que sinon je sens qu'il y a... on va avoir des problèmes ici. Bon. Et hop. Cible verrouillée. Ah, j'ai touché mes gars. What the fuck. Pourtant, j'étais sûr de pas le faire. Bon. Soit. Je me dirige vers la position. Espérons que ça passe. Ça passe pas. Oh ouais. Raté. Ça commence bien. On est un peu trop enthousiaste. Ou trop confiant. Ça va nous jouer des tours, regardez. Cible toujours en vie. Il se replie. En avant. Ah. Ça va. Ça pouvait être pire. Un petit critique derrière les fagots. Ou... Le seul truc qui va être bien, voilà, c'est ça. Normalement, je le tue pas. J'ai rien dit. Alors, on peut déjà soigner une paire de personnes. Non, tu peux te soigner toi aussi, ouais. Ça marche. Puisque t'as pris dans la tronche. Et... Bien reçu. Que j'ai réussi à faire ça. Merci. Oh, j'ai bloqué tout le groupe. Bien joué, Naiden. Bon, bah, les gars, il va falloir faire une petite pause. Brunch. Ah, c'est vrai, j'aurais pu soigner mes stats avec Chong, hein, mais. Voilà. Pardon. Vas-y, Dexter. J'y vais. On my way.
Ok, ok, j'arrive. Durant. Affirmatif. Il y a même de la mêlée sur un vaisseau maintenant, de mieux en mieux, ils ont craqué les mecs. Ils nous foutent de la mêlée à toutes les sauces en fait. Bon. Chut. Vous avez entendu. On va pas bouger Annette en premier, évidemment ce serait un... ce serait une grosse bêtise. Bingo. Allez, c'est parti. Et ça les a pas activés. J'adore beaucoup. Ça les a encore moins activés. Ça va être pour le premier qui joue au... Bien, commandant. Au con, on va dire le mot, vas-y. Hop. Voilà. Il n'y a personne qui peut tirer à distance. Une grenade, une roquette. Non, il n'y a plus personne. Oh. Ça, c'est dommage. Non, je vais pas mettre en vigilance, pardon. C'est quoi ça? Affecte tous les ennemis. Bon, d'accord. Ah, c'est seulement autour d'elle. D'accord. Goliath. Ah, c'est des Goliaths en dessous. D'accord. Bon. Il n'y a pas de problème. On va aller se joindre à la petite fête, regardez, ils vont bouger. Et... pan. C'est parti. C'est ce qui s'appelle une belle embuscade. Il faut que j'apprenne à viser. Ouais. Oh, ça c'est une embuscade en fait, c'est une double embuscade pour eux. C'est une embuscade pour moi et c'est une embuscade pour eux. Parce qu'ils arrivent de flanc là. Alors. Voyons la petite fête. Regardez-moi ça. Il devrait avoir honte. Bon, allez hop, on tire. Osef. Pas mal. Franchement. Franchement, je suis impressionné. Mais... ah ouais, là, c'est... c'est full people qu'on va voir, hein. Bah ouais. Je suis impressionné par la merde qu'ils viennent de faire. J'avais qu'à tirer un lance-roquette ici, hein. Non, non. Alors. On va nettoyer tout ça. C'est parti. Vas-y, Naka. Chong. Ok. Normalement, t'es censé retirer, Chong. Je sais pas pourquoi tu retires pas, mais c'est pas grave. On va faire comme si on avait compris. Ah, contrôle mental. Pause. Voilà, on va faire full. Le cauchemar ne fait que commencer. 5, ok. Ok, il y a quelqu'un devant, donc on va le bouger. C'est Bolduc. On fera toujours rire ce nom. Alors. Voilà, on tire sur les mouches. Par contre, l'autre est en place. Hein. Enfin, ça. Tu m'étonnes. J'espère qu'elle a rien. Que vous avez un plan. Ouais, ouais. C'est une blague. Bon, bah. Ah, ouais, je peux me déplacer avec. Bon, bah, tant pis, on va essayer. 40%, j'y crois pas, mais bon. Sur un malentendu, comme oh, on dit. Non, j'ai raté mon coup. Ah ouais, ça. Affirmatif. Vas-y, Charlotte, c'est pour toi. Déçois pas. Ou pas. C'est la fête du raté aujourd'hui. C'est limite énervant. La cible n'a pas été. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il va où? D'accord, c'est Charlotte. Va tirer sur qui là? Ah non. Ah, ça
Et qui est mort? Durant. Oh merde, mince. Bon, ça va, ça peut être pire en fait. Là par contre, ça va être un carnage. Il va se mettre en tir. Et... Wow. On a déjà perdu du rang, bon bah... Pour une guerrière hors norme, elle a pas fait long feu. Et embêtant, c'est lui. J'ai pas le choix. One shot, heureusement d'ailleurs. Alors. On va commencer à nettoyer ça. Et... Ah, elle peut retirer deuxième fois, elle. Why not? Allez. J'aime bien son trait là. Franchement, j'ai pas à me plaindre de ce petit trait de caractère, on va dire, d'expérience. Il fait bien mal, ça, croyez-moi. J'y vais tout de suite. Pas se venger. Alors toi, raté, je crois. Pour toi, public. J'aime pas ça du tout. Oui. Allez. Ah bah c'est Chong. Chong qui va se faire plaisir. Boum. Un trou. Et un deuxième. Oh là là, t'es trop fort mon petit Chong. Je suis prête. Voilà, on a perdu la mêlée, ça c'est pas encore trop grave. Ouais, je vais me soigner moi-même. Ça fait un peu perso, mais tant pis. Bon, les gars, t'as 3 medikits, hein. Tu peux soigner 3 personnes, tu vas faire quoi? Bah, 2 fois moi déjà, on va commencer par là. T'es sérieux quoi, mec? Ouais. J'avais un petit peu mal au dos ce matin, donc j'ai utilisé un medic. Puis en partant, j'ai pris un rhume, donc j'ai utilisé la dose aussi de medic. Désolé, les gars. Tout de suite. Et juste attention de ne pas vous faire tirer dessus, c'est tout. Ok, d'accord. On va y arriver. Hein. J'y suis déjà. Hashtag chose à pas faire. Ça va, ça passe. Ça nous permet de faire avancer tout le monde le plus vite possible. J'y vais. Bon, normalement, il y a encore un éthéré, c'est ça. Normalement, l'éthéré, j'en fais mon casse-croûte. Je sais pas ce qu'il veut. Il a bloqué. On dirait qu'il y a freeze. Bon, non. Ok. Je rejoins cette position. Et... Pas avancer. Hein. Faut juste trouver l'éthéré maintenant, je crois. Il y aura l'éthéré, les sectoïdes alpha encore à pas oublier. Qu'est-ce qu'on aurait oublié encore? Je crois pas. Je sais pas. Ok, je bouge. Et... En vigilance. J'y vais. Pas beaucoup de mouvement avec Dexter.
crois que c'est la fin du tour. Ouais. Ils sont juste là. C'est déjà bon à savoir. C'est déjà bon à savoir. Je fais ça. Je vais détacher Fatima et Charlotte. Affirmatif. Et on va se mettre là. On va ouvrir la porte pour le... pour Chong. Allez, on va regarder s'il y a un truc quelque part ici. Il y a Walou. Peut-être ici, finalement. C'est un drôle de vaisseau. C'est une drôle de configuration. Bon, bref. Tu les mettre là ? Ouais, tu passes dans le feu, là, ça chauffe. Mettre dans le feu, super. Je sais pas si c'est une bonne idée dans le 1. Dans le 2, je sais qu'on prend des dégâts. Compris, je fonce. Vas-y, Chilong. Et je pourrais équiper les nouveaux lance-roquettes aussi, je suis bête. Ah, ça a l'air d'être par là. D'accord. C'était pas une bonne chose, au final. Contact. Bingo. Ah, nouveau planeur lourd, d'accord. Je les avais pas... imaginez cela. Bon bah, lui, on le tue. J'aurais préféré utiliser le psy, mais je crois qu'on n'a pas 36 solutions. Et on le tue aussi, normalement. Aïe. Oh, un point de dégâts, ce sera bien. C'est pour mon psy. Ah, vas-y Naka. Non. Ça passe rien. On va se mettre devant la porte comme ça pour le prochain tour, il peut ouvrir la porte, hein, bien sûr. Et le. Et eux, on va les mettre juste à côté. Ah. Bon, on a quand même gardé. Bien reçu. Un qui soigne d'un côté et un qui soigne de l'autre. Ça c'est déjà une bonne idée quand même. Il bat en retraite. Ah, il va tirer, ouais. Ne barre pas, petit oiseau. Boum. Elle est en mode taré, c'est Fatima. J'y vais tout de suite. Alors, est-ce que ce serait par là la suite des événements? Je crois. Pas l'air d'être. Par ici. Et... Alors, il n'y a pas de cover, si. On ne sait jamais. Est-ce que je suis déjà venu par ici? Non. Fin de carte, demi-tour. Demi-tour tous, comme on dit. Hop. On va les faire sprinter. On y va. Et on va rejoindre l'autre groupe. Au final, ça a servi à rien, mais au moins on est sûr qu'à cet endroit-là, il n'y a rien. Il n'y a rien, du moins. Pardon. Et... ouais, ils vont être là-bas. Alors, je suspecte que quand je vais trouver ce fameux éthéré, j'aurai des sectoïdes alpha en même temps. C'est... je pense que j'aurai la brochette, en fait. Parce que je doute un petit peu, mais bon, soit. On verra. Dexter, ok. Dexter, il peut courir là. J'aurais dû utiliser la CEM comme exploratrice. Parce qu'elle a plus de points de mouvement, en fait. Donc, pour revenir, ça aurait été plus judicieux. Wow. Naka, il se traîne. Running. Allez, pépère, on avance.
Là, on a du monde. Je m'en serais douté un petit peu, hein, mais bon. Vous avez entendu ? Alors, Charlotte, elle va se mettre là. C'est pas Charlotte, c'est Fatima. Elle ouvre la porte. Et... pas de mouvement. Ah ouais, ils sont ici. À mon avis, ça, c'est la salle des éthérés. Si je me rappelle bien, c'est généralement comme ça qu'ils fonctionnent. Par contre, ça, j'aurais peut-être pas dû faire. J'ai mon... ouais, ma team... mon autre team... Bravo qui est là-bas, qui est trop loin pour intervenir. Si jamais il y a un problème, il faut au moins 2 à 3 tours pour qu'ils interviennent. Minimum. Moi j'ai été faire ça. Charlotte, elle prend des risques. Hein. Vous l'avez vu, je lui ai jamais dit de faire ça. Jamais. On va se mettre en vigilance avec Fatima, on ne sait jamais. Ah, elle me garde rien. Et... ça, on sait. Il y a de la mêlée et il y a du méchant. On risquerait encore du méchant ici. Je ne sais pas. On va déjà se mettre là, par exemple. Juste pour ce côté-ci que je me méfie, en fait. Hein. Ah, je fonce. Ils arrivent. Évitez de se mettre devant la porte, hein, ce serait débile. Parce que bon, il y a encore Fatima qui doit jouer. Et Chong qui est un petit peu à la ramasse quand même. Il y a moins de mouvement, on dirait. Moins de points de mouvement, ça c'est sûr. Affirmatif. Il y a que Fatima, on se met là à cover. Pour protéger au cas où la porte s'ouvre. C'est un malentendu. Vous entendez ? Ouais. Je rejoins la position. C'est quand même abusé que la CEM pousse pas à ouvrir la porte, appuyer sur un bouton. J'y vais tout de suite. Putain, parce qu'elle a des grosses mains, c'est ça ? Je suis en route. Ah, Zhao Jie. Stepping off. Ok, on va y arriver. Position confirmée. Ah, pour le prochain tour. Comme ça, tout le monde est là, frais dispo. Ça évite des petites surprises dans la salle. Bon. Ouais, vas-y. Ok, bon. Comment on va faire cette histoire ? Hop, on ouvre la porte et c'est parti. On a du monde. Non ? Bingo. Oh, bah ça va. Si avec ça. L'avantage. Je vais pouvoir psychoser avec ça. Donc encore prendre des dégâts, enfin de l'XP ici. Bon, elle est en mode taré. Je me dirige vers la position. Par contre, j'aurais dû la bouger, elle. Mais une bêtise, une grosse erreur de placement. Et j'espère que je vais pas la perdre. Parce que bon, en perdre un c'est bien, en perdre deux, ça commence à être too much, comme on dit, hein, dans le jargon. Voilà, hop. Si je peux le tuer lui, ce serait déjà parfait, mais... ah, un point de vie, incroyable. Vas-y, Chong, on compte sur toi. Ah bah voilà. Merci. Boum. Bon, un point de vie aussi. Ah, et on a... on a un robot. Ouais, il va se mettre en vigilance. Et les autres vont se placer, les deux autres vont encore se déplacer, non ? Ah ouais, boum, vigilance. Ok, raté, Bolduc. Ah, j'ai raté la cible. Aïe, aïe, aïe. Vas-y, boulanger.
11. Ça calme déjà ça. Elle va tirer en plus. C'est une blague. Non mais t'as cru que t'étais chez toi ou quoi? Alors ce qui m'ennuie. Ah, évidemment. Alors si j'ai encore une roquette, ouais j'allais dire elle est welcome, mais évidemment ça marchera pas. Si je bouge, je prends peut-être des risques. Alors ce qu'on va faire. Ouais, bon bah brouillard réparateur pour tout le monde. Allez. Et avec un peu de chance, elle, je vais la bouger, elle se fera peut-être pas toucher. Elle mourra pas. Voilà, c'est plutôt ça. Voilà, oh ça va. Et finalement, je perds rien en chance de toucher, voilà. Boum, critique en plus. Ah, t'es calmé, là. Charlotte Boulanger, elle peut pas passer. Chong, lui, peut... Chong, Chilong, lui, peut passer. Et on va nettoyer. Aïe, 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 voilà. Ok, cyberdisque. Il le fait quand même. Je pensais que l'ayant touché. Ils ont ouvert le feu. Ah. Ah. Et oui. C'est lui que je veux. Voilà. C'est lui le plus dangereux. Après, ça va être le castard qui est ici. Comme on dit. Allez, hop, nettoyage. Vas-y, Chong. Oh bah, en plus de ça, il détruit une porte en passant. Vous voyez qu'il y en a rien à faire. Hein, du... Et on va pouvoir passer avec... voilà, avec Charlotte. Désormais. Ou pas. Je sais pas. Ah, c'est peut-être lui qui gêne, en fait. Elle, du moins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a encore un castard, là. Qui pourrait potentiellement faire mal. Alors, Dexter. C'est pas lui qu'on voit, c'est pas grave. On va la jouer. Sécurité. 55%, je prends pas trop le risque. Bah, lui, il va se faire plaisir. Hein. J'espère qu'il va... Ah. J'espère qu'il va pas tuer quelqu'un, mais non, ça va. Ouais. Raté. Deuxième. Raté. Ah ouais, ça, j'ai ma fumigène. Alors lui, peut-être qu'il va toucher. Alors, vas-y. Non, il se casse. Royalement. Alors, Chong, il va attendre. Il faut que je bouge des gens, ici. J'y vais. Voilà, parce qu'elle, elle prend de la place, mais elle ose pas, on n'ose pas lui dire. Hein. Oh. Eh bien, oui. Raté. Caramba. Aucun contact avec la cible. Position confirmée. Ouais, tu l'as complètement raté, ouais. Ah, oh, c'est bien, je peux le flanquer de tous les côtés. Allez. Faire des efforts, hein, les mecs. Ah, et ça rate de tous les côtés aussi. Faut que j'apprenne à viser. Ouais. Tiens, il peut retirer une deuxième fois. Je sais pas pourquoi, mais... Voilà. Ça, c'est fait. Ah. Et là, normalement, c'est nettoyage. Waouh. Hey, Chong, tu m'as habitué à beaucoup mieux quand même. Hein. 85% de chance, tu m'as raté ça. Ah, que c'était un caviar ça. Bon, c'est pas grave. Hein. Ok. Je veux pas savoir. Je veux pas de commentaires, les mecs. Ah, bien sûr. Il va se mettre au corps à corps pour me toucher. Hein. Il y a un moment, il va pas gêner, les mecs. Il veut nous prendre de flanc. Boum. Ah ouais, ça fallait pas. Hein.
suis occupé. La réaction surexagérée. Le mec qui fait 11 de dégâts à une petite créature qui en a 3. Pulvérisé quoi. Allez. Alors, est-ce que... Non, éventuellement la psychose ne fonctionne pas. On va soigner les stats de Chong. Ah là, mais... Allez, vas-y. Voilà. En plus. Alors, je sais pas du tout. Combien il y a de kills déjà, mais ça doit être impressionnant aussi. Allez, on avance, les filles. Et on prendra le temps de recharger après. J'espère pas me tromper là-dessus. On va recharger. Voilà, quand même. Hein. Ah. Alors est-ce qu'il y a quelque chose ? Pas derrière, c'est ça qui m'inquiète. Ok, donc je me dirige dans un rien. Ok, j'adore beaucoup. J'y serai bientôt. Donc on va tabler sur le centre de la pièce là-bas au bout. Hein. Sur la porte, derrière la porte. À mon avis, il y a quelque chose. Et j'aurais dû me recharger. Bon, c'est pas grave. Encore perdu. Elle, on va la recharger. Vaut mieux recharger maintenant que de le faire au moment venu. Ouais, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Et ça, c'est déterré. C'était quoi ? Et on a encore les sectoïdes, hein, pas oublié. Sectoïdes et éthérés, attention. Je bouge. Là, je me rappelle pas d'avoir tué les sectoïdes. Mais je me rappelle de les avoir vus dans la... Allez, dans la machin. Dans le compte-rendu de mission. Dans l'équipage, voilà. À vos ordres. On méfie quand même, parce que... Ça va être coton. It's killing time. Ah. Bah tiens, ça c'est bien du Chong. Temps de tuer, ouais. Impression qu'il y a encore un robot. Je me trompe ou... J'y vais. Normalement, il n'y en avait pas. Hein. Bien sûr, je bouge. J'avance. Et... Ça, avec Chong. On va se mettre là. Il pourrait avoir une belle vue sur l'ensemble. Ah merde, comment bien, on dit commandant. Bah, elle va attendre ici. Et on peut enclencher le prochain tour. De toute façon, on sait qu'ils sont derrière. Ça. Regardez, Fatima. Non. Aïe. C'est fait. Misclic. Bah. Ah. Chut. I think I heard something. Ah, moi aussi. J'y vais. Alors. Ça va être marrant. Ils sont dans la pièce là, d'accord. Ça va être bien lourd, parce qu'ils vont jouer à tu m'as vu ou tu m'as pas vu. Faut qu'ils bougent. S'ils bougent, ah là, bingo. Ah d'accord, ils sont entourés de Goliath aussi. Pas plus que le Goliath. Alors Chong, elle est pour toi celle-là. Vous voyez, on a toujours besoin d'un Chong dans son équipe. Ah ouais. Vous avez besoin de tuer, appelez Chong. Vous avez besoin de faire des baskets, appelez Chong. Ah non, c'est pas le même encore. Bon, ça peut vous sauver les chaussures, mais bon. J'y vais tout de suite. Pas de faire la teuf, appelez Chong. Ah.
On peut attaquer. Un bectoïde. Ah ouais. Ça, je m'y attendais pas. Je mets bien en vigilance devant moi, tu sais. Ah, contrôle mental, ça ferait mal, ça. Ah bah ouais, merci. Alors, c'était pas le moment. J'apprécie beaucoup ce genre de choses, mais il va faire un carnage, lui, hein, si je l'empêche pas. Allez, les gars, faites pas ça. Faites pas ce genre de truc. Ah, quand même. Elle, techniquement... Oh non, c'est une blague. Aïe, aïe, aïe. Aïe. À pic. Techniquement, elle peut me tuer. Hein. Oh non, je vais pas perdre Chong comme ça ici. Ici. It's raining death over here. Oh. Surveillez vos flancs. Bon. On va commencer par un danger à la fois. C'est pas croyable, hein, c'est pas le moment. Bah ouais, merci. Si au moins tu l'as vu, tu le sais. Ça va, tout va bien. On n'a pas de mouvement, pas de visuel sur la cible. Fusillade, c'est quoi? Ok. Un truc de bourrin. LOL. Et le pire, c'est que je vois même pas. Allez. Quoi qu'il advienne. Voilà. Et. Bon. Là, il va y avoir des morts. Et j'ai ouvert la porte pour ça. Alors qu'il était pas à vue tantôt. Vous voyez? Deuxième boulette. Aïe aïe aïe. Et elle a pas encore tiré, un boulanger. Bon, il peut retirer une deuxième fois? Non, c'est un sectoïde qui est juste derrière qu'on voit pas. Ok. Tout va bien. Ok. Donc, tu prends le contrôle mental et en plus de ça, tu siphonnes. Et. Bon là. Là ça va être chaud. Il contourne ma position. Bon. Chong, c'est le moment de sortir ton jeu. Si t'as quelque chose à faire. Oh là. Est-ce que je vais pas perdre Chong là-dessus? Ce serait stupide de faire ça. Pas faire ça. Quoi qu'il advienne. Faut le tuer. Et je crame mes munitions. Alors on a qui là? Est-ce que je vais pouvoir le voir celui-ci? Aïe 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 aïe. Je me prends masse dégâts parce que je dois bouger. Quoique. Ah oh, c'est pas possible. Bon bah je dois jouer avec Chong, hein. J'aime pas ça du tout. Croyez-moi, je risque ma vie. Il a raté. Non ça va. Ouf. Ok, elle prend 4 points de dégâts l'autre à côté parce qu'il y a l'explosion en fait. D'elle. Enfin de l'éthéré du moins. Ok, donc on reprend le contrôle de... Quoi ? Ça va être chaud les amis hein. Je sais pas ce que vous en pensez mais si ça rate comme ça on est mal barré ouais. Faut que j'apprenne à viser. Non, on va essayer de rester en vie.
Ah, on est mal barré. Hein. Chaud boulette. Bon, ça va. Ah ouais, ça c'est bon ça par contre. 11. Ah, t'es calmé. Hein. Avec un petit 1 de dégâts de plus, si je le tuais. Ah là là. Bon, ok. On n'oublie pas qu'on a encore le mectoïde. On a encore le... Chaud. Ouais, ça va. Ah, il peut retirer ? Aïe. Ah, ok. Non, pas de contrôle mental. Il est dans ma tête. Si, hein. On va pas y arriver. Alors, Réa. Peut-être stabiliser ou réanimer. Je vais réanimer. Réanimation. Hop. Merci. Bon, j'ai claqué mon dernier. Si. Incroyable. Je peux pas. Je vais pas tirer sur mon pote. Je vais mettre ici. Oh. Ok, je vois personne, super. J'apprécie beaucoup ce genre de truc. Ah, Charlotte Boulanger, elle, elle peut par contre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On soigne tout le monde ou alors on shoot? On shoot lapin. Alors, attendez, on va regarder si éventuellement on saurait pas si. Du réticule. Ah ouais. Je vois pas l'autre, ok. Donc je vais me mettre ici. Et je vois personne. C'est incroyable. Je vais de mauvaise décision en mauvaise décision. Ah, là toi t'as bougé, t'aurais pas dû. Bon, tant pis Chong, mais... Voilà, ouf. Une en moins. Enfin, une unité qui est censée tirer en moins. Alors Chong, il va pas faire long feu, je crois. Lui, il est censé tirer... Oh non, Chong. J'ai perdu Chong, voilà. Désolé, Chong. C'est bon. T'étais à la bourre, hein. Maintenant j'y pense. Grosse mission, grosse mission, ouais. Là, je sais pas comment je peux faire, parce que je vois personne. Toi, tu vas me le payer. Tiens, prends ça. Ils battent en retraite. J'y vais. But, les tuer one by one. Cible neutralisée. Ils n'ont plus de munitions. Et... On va regarder... Je crois que je le prends comme il est rouge. Allez, on va soigner tout le monde. Ok, c'est bon. Waouh, on a encore le mectoïde. Oh, et lui, tranquille, il fait sa life. Bon, s'il tirait sur l'autre, j'étais mort. Là, lui, ouais. Aïe, aïe, aïe. Contrôle technique, contrôle mental. D'accord. Je rejoins la position. J'y vais tout. Ah. Et on a du mouvement là aussi, c'est qui ça? Ah ouais, c'est mon unité qui est sous. Alors on a la solution potentielle. Ah, il s'est mis à cover là. Garde mes possibilités, j'en ai plus énormément. Chang va mourir aussi si ça continue. Je vais essayer de tirer, mais j'ai pas. Pourquoi? Aucune cible disponible, d'accord. C'est une blague en fait. Affirmative. Je vais me mettre là.
Ah, personne, ok. Tout va bien, je pense. Quoi ? Et lui, si je fais ça, je détruis que son. Comment dire ? Que son armure. Ça sort la flippette, hein. Imaginez, je la rate cette mission. Je suis mal. Ah, ça va tirer là-bas. Ah non. Il passe par le flanc. Voilà, bon. Et. Ok. Donc. Concrètement. Ah bah voilà. Tag. Bon. Alors, ce qu'on va faire. Éventuellement, je vais regarder. Ah, il lui reste des points d'armure. Hein. Chilong. T'as aucun... Ok, bon. On va tirer avec Charlotte. Et on verra ce qui va venir. Ah, rien du tout. Ça se trouve, je vais même pas le tuer, en fait. Ok. Je te remercie beaucoup de ta... De ton aide, Charlotte. Ok, 6 points de dégâts. Je n'ai presque normalement. Pas de munitions. Normalement, je le tue. Voilà. Ouh. Bon, c'est pas encore fini. On va se mettre là. On va se mettre en vigilance si jamais il devrait avoir quelqu'un qui se pointe, je ne sais pas. Par quel. Rechargement terminé. Là aussi, on a des recharges à faire, c'est chaud. Là, je vais rentrer là et je vais essayer de me faire le sectoïde. Voilà. C'est lui que je voulais me faire depuis tantôt. Non. Au revoir. Je crois que c'est fini. Mais je suis pas sûr. On a réussi, commandant. Ouais. Mission accomplie. À quel prix ? J'ai perdu de chon. Et on a fait une grosse mission. Là. Regardez, on a perdu Chong. 110 victimes. Bon, on a fait monter notre... notre Fatima, c'est déjà une bonne chose. Annule la psycho, surtout les alliés, ouais. Et elle fait paniquer la cible. Faire une panique. Ça peut être bien. Aïe, aïe, aïe. Je suis dégoûté. Bon, et bien voilà. Je te rends hommage, Chong. T'as fait ce que tu pouvais pour sauver la Terre. A même fait plus qu'il ne fallait. Nous avons enfin découvert pourquoi Annette était retenue prisonnière. Bah, elle est plus là, Annette. Les résultats sont pour le moins perturbants. 110 sur 45. Annette et les autres prisonniers sont capables d'amplifier les capacités psioniques d'autrui. Ah. Ce qui permet aux aliens d'exercer leur contrôle mental sur de nombreuses victimes à la fois. D'accord. Hélas, l'intervention d'Annette dans l'attaque d'XCOM a provoqué d'importants dégâts dans ses tissus cérébraux. Elle n'aura plus jamais cette capacité particulière. Mais elle conservera peut-être des aptitudes psioniques. Allez, c'est ici que je vous laisse. Merci à tous. Sacrée mission, on a perdu un bon gars. Mais bon, c'est la vie. Il va falloir relever un et reformer un autre psy. Un autre sniper, qu'est-ce que je dis? Voilà. Allez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Abonnez-vous aussi si c'est pas encore fait. Bye bye.